Salut à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver. Bonjour Pierre, ça fait plaisir d'être à vos côtés pour suivre ce match. Oui, que du plaisir, avec que du plaisir. À l'occasion de cette rencontre, nous allons suivre l'Olympique de Marseille face à l'Athletic Bilbao. Bon, je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment hâte que ça commence. J'ai hâte de commenter ce match. L'affiche est belle, Hervé, c'est clair. Toutes les conditions sont réunies pour qu'on se régale. Les joueurs ont hâte de commencer, ça se voit, c'est chouette. Voici la composition de l'Olympique de Marseille. L'entraîneur a fait le choix de positionner ses joueurs en 4-5-1 aujourd'hui. Avec une défense à 4, un milieu assez dense à 5 et un seul attaquant de pointe. Vous découvrez les joueurs qui vont composer cette équipe de l'Athletic Bilbao. L'entraîneur a opté pour un 4-3-3 dans cette rencontre. Oui, on le découvre même en ce moment à l'image. Les Marseillais qui avaient assisté à 7 matchs de la Coupe du Monde. 98 dans ce vélodrome, dont le fameux France-Afrique du Sud, le premier match des Français. Puis une demi-finale également qui avait beaucoup marqué les esprits. Ouais, Pays-Bas-Brésil avec le but sublime de Denis Bergkamp. Bilbao qui a une particularité dans la Liga espagnole, Pierre. Oui, c'est le seul club avec le Barça et le Real à ne jamais avoir été relégué en division inférieure. Pas mal quand même. Et pour arbitrer ce match, eh bien c'est monsieur Lucas Pavlik qui a été désigné. C'est parti avec le coup d'envoi donné par l'OM. Lorient Thauvin, Luis Gustavo. Jardin à ma vie. Les 30 derniers mètres. Payette. Ah, le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. De la tête, bien joué. Valère Germain. Adoris. Bon, ils n'iront pas plus loin sur cette action. Sanson. Ah, trop appuyé, c'est pas ça. Ah, il peut s'en vouloir d'avoir manqué cette frappe. Ouais, c'est pas très bien réalisé comme geste, il y a vraiment autre chose à faire. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Attention, il y a un peu d'espace devant lui. L'arbitre laisse l'avantage à l'OM. Allez, il faut qu'il lève la tête parce qu'il y a du soutien. Ouais, la frappe lointaine. J'ai frisson dans la défense parce qu'elle n'est pas passée loin cette balle. Adoris. Il s'avance vers la surface. Le centre vers ses coéquipiers. Il a joué la sûreté sur ce dégagement. Balenciaga. Au centre, il a vu ses coéquipiers. Sanson. Il perd de ce ballon. Balenciaga. Ah, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Le tir. Ouais, bonne prise de balle du gardien. Sanson. Hiroki Sakai. Ouais, la frappe de loin. Un son tir lointain qui manque de plus au cadre. Mikel Rico.
Sanson. Dimitri Payet. Attention, il a du champ devant lui. Un super exploit du gardien sur ce plongeon. Corner pour l'OM. Payet vers le point de pénalty. Et on l'a dégagé pour écarter le danger. Sanson. En plus ça. Ouais, il y avait une faute, mais l'OM qui va de l'avant. Il y a avantage. Voilà, contrôle raté. Adil Rami. Sanson. C'est peut-être l'un de ses derniers ballons parce qu'il a l'air blessé. Germain. Elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. Il y a peut-être moyen de placer un contre. Attention. Il porte le ballon. Un geste plein de calme, de maîtrise. Un bon ballon d'attaque. Oh, ça peut tout changer s'il marque. Oh, le but contre son camp. Oh, c'est un gag. Un gag cruel. Le gardien qui n'en revient pas, trompé par son propre défenseur sur ce ballon. Allez, il ne faut pas se focaliser sur cette bourde. Hiroki Sakai. Les Marseillais à l'attaque. L'arbitre a décompté 2 minutes de temps additionnel. Oui, la faute signalée et sifflée. Raoul Garcia. Et voilà, déjà 45 minutes de jouer dans ce match. Un petit but, simplement 1-0. Et dans cette première période, eh bien, on va retenir surtout ce but encaissé assez rapidement qui a certainement un peu déstabilisé cette équipe. Ouais, ils ont été cueillis à froid, comme on dit, dès les premières minutes en plus. Et ça a dû jouer dans les têtes. Allez, on a pu se refaire une santé, se recharger les batteries. Ouais, c'est reparti pour 45 minutes. Sous Saïta. Les 30 derniers mètres. Mikel Rico. Et l'attaque va s'arrêter là. Et avant... Oh, l'occasion! Et le but! Le but qui permet à cette équipe de compter 2 buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il faut surtout pas se relâcher maintenant. Ils ont à présent une avance confortable. Hiroki Sakai. Ah ouais, ça c'est bien sur l'aile. Allez, on va jouer de l'autre côté. Valère Germain. On dit ça. Florian Thauvin. Hiroki Sakai. Le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Saïta. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Il s'avance vers la surface. Adoris. Raoul Garcia. Ouais, la passe en profondeur, attention. Oh, le gardien qui... Ouais, de la tête, c'est super. Ouais, les appuis sont bons. La détente est bonne. Il y a de la précision dans le geste. Le buteur qui place une tête victorieuse hors de portée du gardien.
Avec ces images, vous allez pouvoir vous faire une autre idée de ce but. Le gardien pensait avoir fait le plus dur, mais le joueur a bien suivi l'action. C'est un but plein d'opportunisme. Il semble prendre un avantage quasi décisif. Les Marseillais qui tentent de porter le danger dans le camp adverse. Raoul Garcia. À Doris. Un redoublement de passe pour créer de l'espace. Un ballon qui sort en touche. Lucas Ocampos. Un bon ballon d'attaque. Mikel Rico. Adversaire qui presse, hein, qui a raison. Alors ce n'est pas un joueur, mais deux hein, qui vont entrer sur la pelouse. Luis Gustavo. Anguissa. Clinton J. En profondeur, oui, bien vu. Et on a bien compris le niveau, mais c'est mal donné. Ah oui, il y est. Alors c'est cliché hein, de dire bon coaching, donc je ne vais pas le dire, le joueur qui rentre et qui marque, je l'ai dit, bon coaching. Un but magnifique, on le revoit sur ce ralenti. Bon, on voit que le joueur a su faire preuve de lucidité au moment de sa frappe. Aucune chance au gardien à bout portant. Allez, changement avec un joueur qui va rentrer. Et avec ce nouveau but, ça nous fait donc 3-1 maintenant. Raoul Garcia. Beignat. Ça part bien, action dangereuse. Attention à la frappe. Ouh, ça passe juste au-dessus. Ouais, dommage, c'était bien vu. Jordan à ma vie. Ah, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Attention, s'il perd ce ballon. Lucas Ocampos. Luis Gustavo. Anguissa. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Clinton J. Le défenseur qui contre ce ballon. Corner pour les Marseillais. Payet vers le point de pénalty. Dimitri Payet. Il perd le ballon. 5 minutes à jouer hein, dans le temps réglementaire. Il y a peut-être moyen de placer un contre. Attention. Rolando. Anguissa. Dimitri Payet. Les Marseillais à l'attaque. Payet qui gagne son duel. Oh là là, l'occasion. Allez, encore un but et ce sera l'égalisation. Là, ce but dans les arrêts de jeu qui ne changera rien à la donne, hein, Pierre. Ouais, bah, le match est déjà plié. Bon, bah, ce but leur fait plaisir, ça fait pas mal. Ça fait donc 3 buts à 2, un petit but d'écart. Avec une petite minute à jouer dans le temps réglementaire. 3 minutes de temps additionnel au minimum. Lekwe. Il s'avance vers la surface. C'est fluide, ça circule bien. On voit des joueurs qui prennent du plaisir à jouer. Du coup, les supporters sont ravis, évidemment. Oui, ouais, la qualité des passes rend le jeu extrêmement fluide, c'est agréable. Corner à suivre. Un air qui peut permettre à cette équipe de conforter son avance, de se mettre à l'abri dans cette fin de match. Un corner qui va. Ballon boxé par le gardien. Allez, il faut centrer vite. Et ce match qui se termine donc à l'instant même. Alors ça fait toujours bizarre quand la victoire est donnée par l'adversaire, hein, sur un but contre son camp. Mais bon, c'est comme ça. On a vu un bon joueur aujourd'hui, hein, sérieux, appliqué dans ce match. Bonne performance de sa part. En plus, son équipe gagne. J'ai trouvé qu'il avait livré un bon match. Il a participé à la victoire de son équipe
en inscrivant un but, c'est toujours bon pour la confiance.